Good morning, Aleiden. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 Adar Aleph 5776 et l'étude sera les Mishmat Rivka bat Avraham et Shimon ben Eliyahu. Nous étudions Baba Kama, Perek Gimel Mishnahe. Ze Babe Chavito ve Ze Babe Korato, Nishbera Kado Shel Ze ve Korato Shel Ze Patur. Shel Ze Reshut Lalech ve Ze Reshut Lalech. Aya Baal Kora Rishon ou Baal Chavit Acharon, Nishbera Chavit Bakora Patur Baal Akora. Ve Mamad Baal Akora Chayav. ומאמר לבעל החבית עמוד, פטור. היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, נשברה חבית בקורה חייב. ואם עמד בעל חבית, פטור. ואם אמר לבעל קורה עמוד, חייב. ולכן, זה בא בנרו, וזה בא בפשתנו. Une משנה supplémentaire sur le code de la route. On va d'abord poser un axiome de base, simple, qu'à partir du moment où je suis en droit de faire ce que je fais, si de mon action sort un dommage, je serai patour de payer. Je suis dispensé de dédommager celui qui subit le dommage. Pourquoi ? Parce que si je suis en droit, alors j'ai fait ce que je devais faire, et dans ce cas-là, on n'a rien à me reprocher. Axiome de base. Maintenant, on va évoluer un petit peu. En définissant que certaines actions ne sont pas complètement de droit, elles sont plutôt, on va dire qu'elles sont tolérées, c'est-à-dire on comprend que tu dois les faire, mais d'un autre côté, tu as une certaine responsabilité au moment où tu as une certaine responsabilité parce que on peut pas t'empêcher de le faire, mais d'un autre côté, tu dois quand même garder en tête que tu es une cause de danger. De ce fait, alors on va te donner une responsabilité à 50%, 60%, on va distribuer un peu des coefficients selon les situations. Et ensuite, une fois qu'il y aura la collision, le dommage entre les deux personnes, alors on commencera à voir qui avait plus de responsabilités. C'est de manière générale l'axiome qui va se dégager de toute cette Mishnah pour le comprendre. La première partie de la Mishnah, peut-être d'abord je vous dis la structure de la Mishnah, elle n'est pas compliquée. Il y a la toute première partie qui parle d'une situation où il y a une collision frontale. Et la deuxième partie de la Mishnah, qui est en fait la partie beaucoup plus longue, où on va parler d'un cas où l'un marche derrière l'autre, et avec faire avec deux solutions, l'endommagé qui est en tête ou l'endommagé qui est par derrière. Donc la deuxième partie de la Mishnah va être séparée en fait en deux. On va parler, durant toute la Mishnah, on va parler de deux personnes, un qui marche avec une cruche et l'autre qui marche avec une poutre. Donc la première partie de la Mishnah va commencer à nous dire d'abord, premièrement, Zeba bechavito ve zeba bekorato. L'un vient avec son tonneau, sa cruche, son tonneau, on va dire, ve zeba bekorato, et l'autre vient en face, d'un autre côté, mais en tout cas ils sont tous les deux, chacun voit l'autre sur son champ de vision, et l'autre vient avec sa poutre. Nishbera kado shelze, bekorato shelze, patour. Si il y a collision, et l'un casse, et le tonneau, donc, casse sa cruche à cause de la poutre de l'autre, ils sont tous les deux dispensés, c'est-à-dire, tous les deux, celui qui porte la poutre est dispensé de dédommager le propriétaire du tonneau. Pourquoi ? Chez Lazé, Rechut, Léaler, Velazé, Rechut, Léaler, ils sont tous les deux au même niveau, en droit total de marché, et tu dois faire attention, toi, avec ton tonneau, autant que moi, avec ma poutre. Et donc s'il y a collision, eh ben, on est tous les deux finalement un petit peu en droit et à la fois un petit peu fautif de ce qu'il y a eu. Une petite précision, d'autant plus, je rajoute par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que c'est vraiment délicat, mais d'autant plus que là il y a une particularité, c'est que finalement, celui qui porte le tonneau, lui aussi casse son tonneau contre la poutre. Lui aussi il est actif. Il est actif, donc tous les deux se cognent. À la différence, donc si le tonneau était plutôt sur place et l'autre vient et lui rentre dedans, ce sera différent. Mais c'est complexe parce que ça va entrer en interférence avec la suite de la Mishnah et je préfère ne pas en parler. On ne fait pas de la Gemara finalement, on fait de la Mishnah. D'accord ? Donc l'idée, elle est simple, la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on va parler que la poutre et le tonneau marchent l'un derrière l'autre. Et il va y avoir collision. Ça va faire deux cas de figure qui vont en faire quatre et peut-être même six. C'est toute la suite de la Mishnah.
première partie de la Mishnah, on va parler avec la première partie de cette Seifa, avec la poutre qui était en tête et derrière lui le tonneau. Donc, le tonneau qui vient, qui se casse sur la poutre, ça va nous faire déjà deux cas. Soit le tonneau, celui qui porte le tonneau marche plus vite, et donc c'est lui le fautif, il est parti lui se cogner, il a marché plus vite que la cadence. Deuxième cas de figure qu'il va y avoir dans ce cas-là, c'est par contre le cas où celui qui porte la poutre s'arrête, est arrêté, il respire un petit peu le temps qu'il porte sa lourde charge, ce sera une deuxième halakha. Et puis ensuite, quand on va arriver dans la deuxième partie de la Seifa, on va inverser maintenant les positions de chacun, on va mettre le tonneau devant et la poutre derrière, et à nouveau ça va nous faire les deux mêmes cas, la poutre qui marche plus vite que la cadence et donc casse le tonneau, ou bien le tonneau qui se met à respirer un petit coup, et la poutre qui vient et qui lui rentre dedans. À nouveau, selon ce qu'on a introduit, l'idée sera toujours la même. Chacun a une responsabilité quand même, chacun est en droit, mais avec une part de responsabilité. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'action tolérée. On ne peut pas t'interdire de la faire, c'est normal, tu dois quand même déplacer des choses dangereuses et on accepte que tu les portes. Tu prends un certain niveau de vigilance à avoir, mais malgré tout, tu es quand même dispensé au cas où tu n'es pas tellement fautif dans ce cas-là. Ça va nous faire, dans ce cas-là, ça va nous donner comme ça. Aya Baal Korah Rishon ou Baal Chavit Acharon. Donc on commence à mettre maintenant la poutre qui marche en tête. Baal Korah, celui qui porte la poutre. Rishon en tête, le premier. Ou Baal Chavit Acharon. Et celui qui porte le tonneau arrive derrière lui. Premier cas. Nishbera Chavit Bakora. Si le tonneau s'est cassé en cognant la poutre, Patour Baal Korah. Si le tonneau s'est cogné contre la poutre, le Baal Korah, celui qui porte la poutre, ne doit pas le rembourser, parce que si tous les deux on marche, alors ça s'appelle que toi tu as marché plus vite. C'est-à-dire toi qui marches derrière, tu dois vérifier à garder une vitesse normale qui correspond à ceux qui marchent devant toi. D'accord ? Veim Amad Baal Korah Chayav. Par contre, si celui qui porte la poutre s'arrête, il respire. Dans ce cas-là, toi, tu es en tort. Parce que sur la voie publique, on marche, on ne s'arrête pas, tu t'es arrêté, eh ben, c'est de ta faute. C'est toi le fautif. Tu n'avais pas le droit cette fois-ci. Donc même si moi, il est vrai que moi, quand je marche, je dois quand même garder voir ce qui se passe devant moi. Mais ça arrive parfois que je ne fais pas assez attention, on tolère aussi, je dois regarder la route que je vais suivre, je ne vais pas faire que regarder la voiture de devant, c'est quand même pas normal. Donc finalement, un petit moment d'évasion, et hop, on s'est rentré dedans, mais puisque cette fois-ci il y a quelqu'un de plus fautif que moi, donc c'est toi qui portes la responsabilité, c'est toi le Baal Korah, celui qui porte la poutre, qui doit endosser le dédommagement. D'accord ? Veim, attention, cas particulier par contre. Bim, Amar les Baal Chavit Amod, si pendant que celui qui portait la poutre s'est arrêté pour respirer et il a crié derrière lui, arrêtez-vous derrière, chaud derrière, pas chaud devant. D'accord? Dans ce cas-là, il est dispensé par ça. Il a tout simplement mis des feux de détresse, il a sorti son triangle en mode chazal, ça signifie crier. D'accord? Ça c'était pour la première partie de la Seifa. Une autre précision importante qui découle de la Gemara aussi, c'est de quoi on parle quand celui qui porte la poutre s'arrête. Alors j'ai pris le cas où il s'est arrêté pour respirer. Mais il y a des fois on ne s'arrête pas pour respirer, des fois on s'arrête uniquement parce qu'on a envie de mieux redresser, mieux disposer, mieux caler la charge sur l'épaule. Et là, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il est encore en train de marcher. Ça ne s'appelle pas qu'il s'est arrêté, donc il n'est pas en tort. Ça, il a le droit de le faire, il a le droit de s'arrêter uniquement pour arranger sa charge, ça dure quelques petites secondes, même si concrètement il est à l'arrêt, mais ça ne s'appelle pas qu'il s'est parmi en position parking, il a parmi le point mort, il a juste mis un petit coup de frein pour pouvoir, pour X raison. Donc, de ce fait, là, il est plus fautif, donc c'est à celui qui porte la chavit, le tonneau, d'assumer maintenant le fait qu'il n'a pas fait attention à ce qui se passait devant lui. C'est clair, c'est un rapport de force, hein, c'est clair. On passe maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah, et on refait la même chose avec la réciproque.
C'est-à-dire, on va mettre maintenant le Baal Chavit en tête. Haya Baal Chavit Rishon, celui qui portait le tonneau était en tête. Ou Baal Kova Aharon, et celui qui portait la poutre était derrière. Donc, Nochamol, Aouda, Nishbera Chavit Bakora, Chayav. Là, si là, le tonneau a été cassé par la poutre, Chayav, le propriétaire de la poutre, doit lui rembourser son tonneau. Pourquoi ? Parce que si tu l'as cassé, c'est que tu as marché plus vite. Tu devais surveiller, avec le petit ajout qu'on a dit, tu devais surveiller même si l'autre s'est arrêté pour pas ranger sa charge, son tonneau qui était sur son épaule, tu dois quand même faire attention de ce que de ce fait tu dois veiller. Par contre, veille mamad baal chavit patour. Si le propriétaire de la, du tonneau s'est lui arrêté, comme ce qu'on a précisé, pour respirer, tu veux respirer, tu vas sur le bas-côté, tu t'arrêtes pas en plein milieu de la chaussée. Dans ce cas-là, tu es toi plus responsable que celui qui porte la poutre, et dans ce cas-là, pas tout, le propriétaire de la poutre est dispensé, ne doit pas te dédommager. Par contre, Beyemamar le Baal Kora Amod Chayav. De nouveau, il a mis sa faute de détresse, il a crié derrière lui, attention, je respire. Ouais, il a dit à celui qui portait la poutre de s'arrêter, dans ce cas-là, Chayav. C'est clair? La Mishnah conclut avec une petite phrase. Vechen ze ba benero, ve ze ba bepishtano. La halakha, les conditions seront exactement les mêmes si l'un porte son nerf, nerf c'est sa petite fiole allumée, sa bougie, le zeba bepishtano, et l'autre vient avec son pishtan, avec son, sa motte de lin, qui est une matière très qui s'enflamme très rapidement. Et vous allez me dire, c'est la même chose, c'est vrai, pourquoi ne pas dire avec... L'un vient avec ses verres et l'autre marche avec sa chaise. Et pourquoi avoir rajouté ça? Alors sur ça, les commentateurs expliquent qu'il y a quand même une particularité, il y a quand même un petit ridouche. Si on a pu croire que celui qui porte du feu, c'est un potentiel de nézec, de dommage, de danger beaucoup plus fort que celui qui porte une poutre ou un tonneau. De ce fait, on a pu croire que quand tu portes une matière dangereuse, tu seras encore plus responsable. Si on voudrait l'appliquer ça à notre époque, c'est quelqu'un qui porte une matière inflammable ou quelqu'un qui porte un explosif dans la rue, eh ben, on aurait pu dire que toi, tu dois faire encore plus attention. Eh ben, sur ça, la femme nous dit non, c'est la même chose. Si ouais, tu as le droit de t'arrêter pour arranger ta charge, et dans ce cas-là, celui qui vient derrière te rentre dedans, tu ne seras pas plus fautif que le cas de la poutre et du tonneau. Voilà pour la Mishnah. Qu'on a expliqué comme le Rambam. Il faut savoir quand même un petit détail. Non, d'abord, je vous fais une partenariat, je vous le rajoute ensuite, comme ça, ceux qui veulent arrêter le cours pourront l'arrêter sans problème. Aïe, aïe, une petite ligne de partenariat. Aïa, baal, kora, rishon, vechoule, patour. Quand, dans le cas où celui qui portait la poutre était en tête et le tonneau est arrivé à marcher plus vite et donc lui est rentré dedans et a cassé son tonneau, on avait dit qu'on n'est pas tour. Chez Zem, aler, kedorko, vezemir, la lechette, le partenariat nous explique, car le premier marche de manière tout à fait normale, tandis que l'autre, il a accéléré la cadence, même s'il n'a pas fait d'excès de vitesse. Mais même rouler à vitesse tolérée, quand il y a des embouteillages, bah, tu rentres dans la voiture de devant, t'es un fou. Voilà pour la Mishnah. On va quand même préciser une petite notion importante. Pour celui qui veut, hein. Vraiment, c'est facultatif, sinon pour les autres, rendez-vous demain, call tout, c'est là, comme on dit la petite phrase toujours là, ouais. Batsacha, journée pleine de Batsacha. En tout cas, une petite précision importante, c'est une Gemara assez complexe avec les Tosafot qui propose un pshat qui prouve que le pshat, l'unique pshat de la Gemara, c'est ça. Je vous dis juste ce qui a marqué dans la Gemara et l'action qui découle de Tosafot, et ceux qui veulent faire plus, eh bien, qu'ils ouvrent la Gemara, je crois que c'est de la flamme d'Alev dans Baba Kama. Et l'idée, elle est comme ça. La Gemara nous dit attention, quand le propriétaire de la poutre s'arrête et que le feu s'arrête en pleine rue et que le tonneau arrive et se cogne contre lui, donc casse son tonneau, que le propriétaire de la poutre, que la poutre doit lui rembourser, la Gemara nous dit attention, on parle uniquement d'une poutre très large. C'est le mot de la Gemara. Une poutre très large et que donc celui qui portait le tonneau ne pouvait pas le contourner. Voilà plus ou moins les mots qui sont assez flous. Il y a deux explications. On va juste retenir celle de Tosafot qui est quand même très intéressante. Ça donne matière à réfléchir, matière à penser.
c'est qu'en fait, Tosfot nous dit juste qu'à partir du moment où je roule, où je marche, donc ce qu'on parle encore à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture, je marche derrière quelqu'un qui porte une charge très... Excusez-moi, d'abord un petit revers. J'ai une petite précision. Ça signifie que si quelqu'un marche et qu'elle n'a pas de poutre très large, et que j'arrive avec mon tonneau et que lui il est tombé par terre, et bien moi j'ai comme responsabilité de le contourner. Par contre, quand il porte une poutre large, alors même si je le contourne, je me ramasse quand même les pieds dans la poutre de devant. Voilà ce qui a marqué dans la Gemara. Tosfot explique en fait un peu plus profondément. Ça se passe comme ça. Lorsque je marche dans la rue, avec mon tonneau, et qu'il y a devant moi quelqu'un qui porte une poutre normale, pas trop large, je dois a priori garder une distance de sécurité de manière à ce que je marche en décalé derrière lui, parce que tout le monde sait très bien que ça arrive de regarder le numéro de l'immeuble du bâtiment, et donc dans ce cas-là, d'avoir un petit moment d'inattention, et de rentrer dans celui de devant qui s'est, sans faire exprès, arrêté. De ce fait, mon devoir est forcément de marcher en décalé, ne pas le coller juste derrière. Par contre, quand l'autre porte une poutre large, donc je peux aller nulle part, parce que moi aussi je dois partir dans la même direction, et que je me mette à droite ou à gauche, sa poutre est tellement large, il la porte comme ça, en transversale, j'ai nulle part où aller. Donc de ce fait, si je marche derrière lui et que finalement il s'est arrêté, je ne suis plus fautif. Voilà pour la petite touche d'autoswot. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tuv Selah.